Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CrowCity, donc ça fait longtemps, et je ne sais pas... Ok, tu viens casser mon intro, tu te prends pour qui, hein? Ok, alors on va mettre ma batterie morte comme ça, il nous fait... Voilà, merci, au revoir. Ok, alors on est le 16 juin, tout va bien, faut savoir que... Au moment où je filme, on est le 29 juin, je crois. Donc bon, on n'y est pas trop dans les temps. Avant, j'étais en avance, maintenant je suis en retard. Enfin, on a l'habitude, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu un petit déménagement. Et comme ça fait 15 jours, je crois, que j'ai pas joué, faudrait qu'on regarde si personne ne veut partir, parce que bon, vous savez très bien que... Là, pour le moment, mes habitants, ils sont bien. Je les aime bien. Et s'ils partent, c'est la fin du monde. Je crois que j'arrête de jouer. Donc, bon, surtout Placide. Parce que Placide, c'est ma vie. Et évidemment, il n'y a personne qui est dehors. Ah, si, Placide! Oui, bonjour. Ça fait un moment qu'on ne t'a plus vu dans le coin. T'étais en vacances, comme en croisière avec un buffet tous les soirs. D'accord, ok. Enfin bon, c'est pas grave, hein, si... Oh, ça c'est Linette, bah qu'est-ce que vous faites tous là? C'est quoi ce t-shirt? Oh, non, Linette, on dirait que t'as de la moutarde. T'as des taches de moutarde sur ton pull. Bon, t'as pas envie de me dire si quelqu'un part ou pas? Mais non, elle est bien ta table. Oh, ils sont chiants, hein. Moi je vous jure, ils m'énervent, hein. C'est incroyable. Alors, j'ai essayé un peu d'avancer. Oh, bonjour. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord, vous vous répétez juste un tout petit peu, un tout petit peu. Alors, ici, il y a des fossiles. Donc on va les déterrer, enfin si c'est des fossiles. J'espère ne pas prendre le buisson avec. Parce que je sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent de vouloir déterrer un truc et sans faire exprès, ben, je me suis mal placée et alors je me détruis un buisson, une fleur. C'est un peu... Dans ce moment-là, on se sent très très con. Ok, on a que des caca. Tout va bien. C'est incroyable ça. On veut pas me donner de fossiles. Bon. Alors ici, j'ai un peu avancé, il me reste 2-3 fleurs à avoir. Donc ça ne devrait plus trop tarder, comme ça au moins le coin là, il sera rempli. Et c'est tant mieux parce que ça fait un moment qu'il restait vide, en fait, depuis qu'il y a des habitants qui avaient décidé de s'installer là. On sait pas pourquoi, hein, parce que faut avouer qu'il faut être complètement débile pour construire sa maison là. Ah bah, elle au moins c'était rapide, hein. Waouh. Alors, il n'y a personne au camping. De toute façon, on a l'habitude, on n'est pas trop aimé, hein. On n'aime pas ma ville apparemment. Mais c'est pas grave, on le vit bien. C'est pas grave. Mais en fait, on n'aura pas de fossiles. C'est une blague. Ah! Il suffisait de le demander gentiment. Parce qu'on a, pour vous dire, comme mission, on a s'acheter une hache, mais bon, quand on a l'hache en or, c'est un peu chiant. Refaire sa façade de maison, refaire sa carte de CR et trouver 5 fossiles. Ah non, en faire expertiser 5, pardon. Bon ben, je sais pas si j'en... Ok, on a quelques petits problèmes dans la plantation ici. C'est un petit peu la savane, hein. C'est quoi ça? Alors en fait, c'est justement parce que Pauline est partie. Ça fait 3 fois que je crois que je l'ai dans mes jeux ACNL. 3 fois qu'elle se barre. Je crois qu'elle ne m'aime pas. Je comprends pas pourquoi. J'étais gentille avec elle. Non mais je ne te veux pas, Fleur. Oui, c'est ça, allez. On n'a même pas de trèfle à 4 feuilles.
Oh non, mais c'est abusé et on n'a plus de place. Alors là, on a toujours Nasser et Abraham qui sont jamais, jamais, jamais chez eux. C'est pas ce qui se passe. Mais ils sont jamais chez eux. Ah oui! Ici, j'ai commencé à remplir un peu ce coin parce que là aussi, c'était fort vide. Et pendant très longtemps. Là aussi, vous voyez que j'ai bientôt fini la rangée là. Donc, je pourrais m'attaquer après aux deux dernières. Mais je sais pas trop quoi faire comme association. Association de fleurs. Qu'est-ce que c'est? Demain, l'insecto safari. Ah, ça c'est pas mal. Hein, quand on fait des 3 points à l'insecto safari, je trouve qu'on est pas mal. Ah, et article à moitié pris. Ok, on s'en fout vu que c'est passé. Ah, j'ai créé un nouveau projet. Enfin, je ne l'ai pas créé, hein, évidemment. On se comprend. Attention, il est là. C'est un abri météorologique. Parce que je savais pas trop quoi faire et je voulais mettre un projet là pour être sûr que personne ne s'installe là, vous voyez. C'est mon coin précieux. Alors, le temps va rester au beau fixe, semble-t-il. Ben, encore heureux parce que, j'ai envie de dire, vu ce ciel, s'il commence à pleuvoir, je ne comprends plus rien à la météo. Bon, moi, je propose que... Bon, on va détruire ça bientôt, mais vu qu'il me faut certaines tulipes à faire attention, on va aller à la poubelle. Déjà, jeter des gyroïdes ou peut-être les vendre. On a combien d'argent? Oh, on a même un poisson ruban. Ah, c'est bien ça. Oh, bonjour. Donc, je sais pas vous, mais moi je trouve que Nasser, il est trop trop chou avec ses petits bois sur la tête. Qu'est-ce que tu veux, Nasser? On vient de se parler à l'instant, ben oui. T'es un peu bête quand même, hein. C'est Aria de Nenucric qui me l'a envoyé. Alors la lettre, c'est un oui. Enfin genre c'est Hello Nasser, virgule. Et le texte qu'on peut encoder c'est UI. Ok, bon c'est pas mal hein. Un petit peu court mais voilà. Si jamais tu remarques un message codé qui m'aurait échappé, dis-le moi hein. Bah, disons qu'elle avait pas trop envie de te parler mais c'est pas contre toi. Hein. On t'aime quand même. Bon, on va jeter. J'ai une vieille pétition. En même temps, je crois que j'étais pas d'accord avec la pétition. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je suis pas d'accord avec la pétition, je la fais pas signer. Déjà que quand je suis d'accord avec, je la fais pas signer. Mais si en plus je suis pas d'accord, il y a encore moins de chances que j'arrive à faire signer. Alors, Gradup, qu'est-ce qu'il veut? Un radiateur? Bah, vas-y, achète-le. Dès l'instant que j'ai vu ce magnifique radiateur, ça a été le coup de foudre. Ok! On va prendre une photo, ça mérite une photo quand même. Qu'est-ce que t'en dis, Laure? Je craque ou pas? Bah vas-y, craque, hein. C'est bientôt l'hiver. T'as besoin d'un radiateur, il fait froid, c'est pas mal. Ah ah ah, j'ai enfin un radiateur, rien qu'à moi. Ok, bah c'est cool, hein. Apprends à meubler ta maison avec Gradub. Bon, alors c'est compliqué parce qu'en fait, comment vous dire ça, j'ai paumé mes stylets. Du coup, j'ai un vieux truc qu'on colle au doigt pour sélectionner. Enfin, c'est un stylet mais qu'on accroche au doigt. Et c'est vraiment trop dur pour aller sélectionner tout. 13 000. Ok, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'espère qu'on n'a pas vendu le fossile. Non, c'est bon. D'ailleurs, en ce qui concerne la série Laure et Cam, donc là, on a sorti un épisode. Enfin, j'ai sorti un épisode il n'y a pas longtemps. Donc, l'épisode de juin pour les 3 ans de la série. Et, je sais pas si on l'avait déjà dit. Mais, oui, qui veut me parler? Oui, je suis là. Et la star, je fais mon rangement annuel ce matin, trop lol. J'ai plein de choses en double, c'est dingue, notamment un débardeur marathon. Mais j'en veux pas, mais je viens d'aller vendre mes affaires. Non, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Enfin, si, ce que tu portes là, c'est pas mal, mais ça, c'est quoi? Ok, d'accord.
remettons notre robe. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Eh bien, en juillet, août, on avait décidé de ne pas sortir de vidéo, comme ça on a le temps d'en filmer et de retrouver des idées, parce que bon, c'est un peu compliqué hein, de trouver des idées. Donc ce qu'il y a, c'est que là, vu qu'avec Camille, on part en vacances ensemble au mois de juillet, on va pouvoir vous filmer des épisodes pour de septembre à juin. Donc ça, c'est pas mal déjà, on est d'accord, hein, c'est pas mal. Et puis là, on a trouvé déjà 2-3 idées. Bon, c'est un peu compliqué de tout trouver. Mais là, on a déjà trouvé 2-3, donc je suis assez contente. Voilà, donc il nous reste plus qu'une petite tulipe rose. Une blanche, une orange et une noire. Je vais voir si elles sont pas dans les hybrides. On va aller voir ça tout de suite. Bon, on va... Ok. Je pense qu'on n'aura rien. Je crois que je ne les ai pas arrosés la dernière fois que je me suis connectée. Ok, bon, ça c'est un peu nul. J'oublie toujours d'arroser les plantes. Parce qu'avant j'avais un grand stock. Puis bah maintenant j'en ai plus beaucoup. C'est triste. Bon, je vous propose d'essayer de trouver des fossiles. Évidemment, ça ne sera pas de la tarte de trouver ces sacs d'eau. Et apparemment, j'ai vu une astuce comme quoi, si il nous reste plus beaucoup de fossiles à avoir, on sauvegarde avant de parler à Thibou. Et... Si on avait déjà ce fossile là, et ben on éteint et on rallume avant de les faire expertiser évidemment. Et qu'apparemment après on pourrait trouver des fossiles qui nous manquent. Je sais pas trop si ça fonctionne ou pas, donc si vous avez déjà testé, bah n'hésitez pas à me le dire parce que moi je n'en ai vraiment aucune idée. Du coup je teste pas l'astuce maintenant. Parce que bah, j'ai la flemme. Mais je pense que je la testerai peut-être plus tard. On verra bien. Et si elle marche, je vous dirai quoi. Je crois qu'il me reste 2 fossiles à voir. Donc c'est un peu compliqué de les trouver. Et du coup, je suppose que vous êtes en vacances. Enfin, je pense. Je sais qu'apparemment, en France, il y en a certains qui terminent beaucoup plus tard. Mais si vous êtes en vacances, bah, j'espère que vous passez un bon début de vacances, même si je sais qu'il y en a qui commencent déjà à s'ennuyer. Et j'espère que vous avez réussi votre année. Voilà, voilà. Moi, je ne le sais pas encore. Enfin, si, je sais que je passe, mais je ne sais pas encore mes points, mes examens et tout ça. Je saurai tout ça le 30. On va mettre à jour le rêve, je pense. Oui, on va mettre à jour le rêve. Non, mais par contre, les motifs personnalisés, non. En plus, j'en ai des moches. Il faudrait que je les trie, mais il y en a que j'avais fait au tout début du jeu. Je ne sais... Enfin, je sais toujours pas dessiner. Et c'est vraiment trop laid, quoi. Donc, même s'il y en a qui sont beaux et que vous pourriez reprendre, il y en a qui sont très laids et je veux pas qu'on rigole de moi à ce point-là. Enfin, je serais vraiment très vexée qu'on rigole de mes non-dons de dessin. Ah, ça y est! Ah, le code onirique de la ville a changé, donc le voici, 7F00-0075-F5D8. Voilà, voilà, si vous voulez faire un tout petit tour dans ma ville. J'ai l'impression que mon code onirique, il change beaucoup. Avant, j'ai resté super longtemps. Enfin, avant la mise à jour, je restais super longtemps sans devoir le changer et sans le mettre à jour. Et là, ça fait 4-5 fois déjà qu'il change depuis la mise à jour. Donc je trouve ça un peu bizarre.
Enfin bref, c'est pas grave, hein. C'est juste que chaque fois je repère mes visites oniriques. Et ça, c'est un peu triste quand même. En ce qui concerne les séries et tout ça sur la chaîne, je compte en faire plusieurs que j'avais, enfin que j'avais commencé, puis que j'avais supprimé parce que pour plein de raisons différentes. Et donc je compte en refaire plusieurs, continuer certaines que j'ai déjà fait, enfin toutes même. Donc comme d'hab, j'ai bientôt fini Happy Home Designer, comme ça je passe à Découvrons leur maison. Oui, donc je passerai à Découvrons leur maison et ça c'est bien parce que c'est une série qui me plaisait bien, mais je voulais pas faire les deux en même temps sur la chaîne parce que bah, c'était deux avec de la déco. Et du coup, ça aurait été un peu chiant. Donc, je compte faire quelques vidéos en Wi-Fi, etc., dans divers jeux. Et puis, pour Camélor à l'aventure, ben en fait, si Camille ne change plus d'avis, normalement, on continuera tous les épisodes sur ma chaîne. Donc, au lieu d'en avoir une fois tous les 2 mois sur ma chaîne, ils seront tous sur ma chaîne. Voilà, pour des raisons qui sont propres à Camille et que je ne veux pas dire parce que c'est à elle de le faire. Et on a déjà contacté plusieurs personnes pour qu'ils participent à notre série. Il y a aussi des épisodes toutes les deux, donc on fera en vacances comme ça. On aura un bon son et pas le son du Skype ou du Discord qui est un peu parfois pourri, sachant qu'on a toutes les deux un Wi-Fi de merde. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire concernant Camélor. Enfin, je pense, je réfléchis pendant le chargement. Et puis voilà, on continuera Fruitia. Ah oui, bonne nouvelle, en fait, ma console rose qui était cassée. En fait, c'est juste qu'on peut plus accéder au Wi-Fi. Mais donc, j'ai retrouvé mon ancienne ville Fruitia, qui était enregistrée dans la console. Du coup, maintenant, j'ai deux Fruitia. Donc je sais pas trop quoi faire, je vais sûrement recommencer une pour faire un autre thème, mais je sais pas quoi, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, ça serait pas mal. Est-ce que je peux m'asseoir? Oh mais c'est nickel, on peut s'asseoir. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, salut!